numéro n'a jamais été tenté à ce jour. L'incroyable Carnot va défier la mort dans son nouveau tour avec notamment le trône de la terreur. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Hein? Quoi? Je t'ai vu cette nuit. Avoue-le, tu le vois toujours, n'est-ce pas? Mais non! Tu as perdu l'esprit. Mesdames et messieurs, le numéro que vous attendez tous... Mesdames et messieurs, l'incroyable Carnot! Va en enfer. Thank you.
J'ai une question. Est-ce que vous avez entendu parler d'un vieil homme qui s'appelle Malcolm ? Malcolm, oui. Excusez-moi. Oui ? Je voudrais vous poser une question. Ok, allez-y. Je suis très curieuse. Est-ce que personne n'a jamais habité la maison de Carnovage depuis la mort de Carnot ? Excusez-moi, Lou. Oh, bonjour. Je suis intriguée par ce Carnot. Est-ce que ce n'était pas un célèbre illusionniste ? Excusez-moi, Lou. Oh, bonjour. Désolée de vous déranger encore, mais... Je me demandais, savez-vous si Carnot avait un enfant ? Excusez-moi, Lou. Bonjour, Adrienne. Que puis-je pour vous ? Eh bien, j'ai repensé à Carnot. Comment est-ce qu'il est mort ? Oh. Adrienne, que puis-je pour vous ? Oh, rien, je jette juste un coup de... Excusez-moi. Lou ? Ah oui, Adrienne, que puis-je faire pour vous ? Je crois que vous vous intéressez aux broches anciennes. Ben oui, c'est vrai. J'ai trouvé cette vieille broche chez moi. Montrez-moi ça. Eh bien, je me demandais si vous accepteriez de l'échanger contre ce crucifix là derrière. Oui, bien sûr. Très bien. Ok, merci. Ce n'est rien, je vous en prie. Bien. Tenez, je voulais donner à Malcolm cette vieille photo. Je l'ai trouvée dans la maison de Carnovache. C'est une photo de Carnot et de Malcolm. Vous voyez cet écrit derrière ? Voyez, c'est Malcolm, petit garçon. Je vous en prie, vous devez me laisser entrer voir Malcolm. C'est important. Attendez une minute. Malcolm va vous recevoir. Elle est ici, Malcolm. Asseyez-vous. Je me souviens bien de cette photo. Je n'avais que 10 ans à l'époque. Carnot était mon héros. Hein? Votre héros ? Je sais ce que vous avez vu sur cette photo. Quoi ? Ouais. Le diable. Il est là. Et mon mari ? Il est peut-être trop tard pour lui. Jeune dame, asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous dire. Carnot et sa première femme m'ont adopté. À l'époque, c'était un brave homme, respecté de ses collègues
de sa femme, admiré par son public. Mais tout a changé quand il a lu le livre. Il a obtenu d'immenses pouvoirs en contactant les forces du mal. Avec le livre, il a libéré un démon, une entité du mal qui n'avait pas le nom. Indescriptible avec des mots, cette chose a fini par posséder Carnot. Corps et âme. Carnot est devenu comme elle. Il est devenu très puissant. Son succès et sa fortune augmentaient. Mais il était maudit. Il aimait sa femme, Hortensia, et leur petite fille. Mais tout a changé. Il est devenu fou. Je n'ai pas de preuves, mais je crois qu'il a tué les deux. Je crois qu'il a tué toutes ces femmes. Secret, j'ai vu aussi Carnot torturé et mutilé ce pauvre jeune homme, le laissant pour mort. Et puis, j'ai vu Marie dans sa démence, ne pensant qu'à sa vengeance. J'ai hésité quand j'ai vu Carnot partir
vers le même endroit que ce maudit démon. J'ai couru vers le passage secret, juste à temps pour voir Carnot portant le coffre contenant le livre maudit. Alors, juste avant d'atteindre la chapelle, il a trébuché et il est tombé comme Emmas. Je l'ai vu se signer comme les catholiques avant de mourir. Je crois qu'il essayait de faire la paix avec Dieu. J'ai pris le coffre contenant cette merde. Et je pense le diable lui-même. Je l'ai emmené dans la chapelle. Je crois que je ne savais pas ce que je faisais. Mais quelque part, je sentais qu'il contenait ce maudit démon pour toujours. Je l'espérais. Quand j'ai quitté la chapelle, j'ai ramené le corps de Carnot dans sa pièce secrète. Il y est toujours. Mais Carnot n'est pas dans sa tombe? Non, c'est Gaston Warwick. Il était si mutilé qu'ils ont cru que c'était Carnot. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient croire. Mais et à propos du démon? Le démon, c'est pour ça que j'ai bien voulu vous parler. Je crois qu'il a dû être libéré. Oh mon Dieu. Dan. Que peut-on faire ? La réponse se trouve dans ce livre maudit. Avec lui, vous devez renvoyer cette chose là d'où elle vient, vers l'autre côté. Vous avez vu le livre? Oui. Je m'en doutais. Très bien. Jeune dame, vous êtes la seule à pouvoir faire ceci. L'âme de votre mari est hantée. Et je ne sais pas ce que je peux faire ou ce qu'on peut faire pour lui. Mais si vous pouvez arriver à approcher le démon, voilà ce qu'il faut faire. Il faut le livre. Un objet sacré et la pierre d'hémorrage et le sang d'un être vivant. Maintenant, prenez le livre et